Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, après coup, hein, bien sûr, parce que j'ai oublié de faire la vidéo d'intro, pour vous emmener faire un petit tour à Jardiland. Ça faisait longtemps que j'y étais pas allée. J'avais en tête de m'offrir un autre Hoya Crimson Queen. Je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas craqué. Oui, j'ai un bouton sur le nez. Je n'ai pas acheté d'Hoya Crimson Queen. Je vous montre à la fin de cette vidéo ce que j'ai pris. C'est parti! Alors, nous voilà arrivés à Jardiland et j'avoue que je ne vous jamais trop longtemps l'ouverture, je sais pas. Quelque chose comme ça. La fleur me plaît beaucoup. Je l'avais jamais fait attention. J'aime beaucoup. Elle m'a fait penser aux orchidées tête de singe, là, vous savez. Un fatsia. Je n'en ai toujours pas acheté. Un jour, peut-être. Qui sait. Ils étaient... Voilà, 14,95€ le fatsia spiderweb. Très joli. Très, très joli. On avait d'autres crassulas, une petite potée de Maranta Lemon Lime, mais à 34€ et quelque chose. Oui, nous avons des bébés Hoya Whitey à 2,99€. Non mais incroyable, j'ai jamais vu de Hoya dans le rayon baby plantes de ce Jardiland. Et de n'importe quel Jardiland d'ailleurs, de par chez moi. Mais j'étais trop contente. Et des petits Peperomia Pepper Spot aussi, au même prix. Franchement, 2,99€, je suis trop, trop contente. Je suis ravie en fait que ça se démocratise un peu plus. Rien de particulier au coin des bonnes affaires. Mais j'y vais toujours faire un petit tour. On sait jamais. Toujours l'Australis et l'Australis Lisa. Peut-être qu'un jour, je craquerai. Mais c'est trop cher. Beaucoup trop cher. Alors ce palmier est absolument magnifique. Mais j'ai pas le tarif. Je suis un peu déçue du coup. Mais il est très très beau. Ah, elle est sénante. Ça fait toujours son effet hein, de les voir ensemble comme ça. Alors je suis désolée si vous voyez souvent le bas des pots. Mais il y avait pas mal de monde et je voulais pas filmer les têtes des gens. Ah, les aglaonema. Voilà.
16,95 je crois de mémoire, elles étaient vraiment très belles. Peut-être qu'un jour je craquerai. Mais c'est encore arrivé. Des petites Oya, des petits Oya, pardon, Crimson Queen. J'aurais dû en choisir un, j'aurais pris celui-là, mais j'ai pas craqué, même si de base je voulais m'en racheter un pour renflouer ma potée. À chaque fois j'y pense, mais je me dis ça sert à rien. J'en ai déjà un, mais j'aurais choisi celui-là. Ce petit filo aussi, il était très mignon, à 17,50€, avec ses petites variegations discrètes, j'aime beaucoup. Il restait des Painted Lady, des petits Bégonia, il y en a encore un petit peu, hein, mais vu l'arrivage qu'il y a eu, franchement, je suis assez contente, il y en a pas mal qui sont partis, c'est cool. Ah oui, la potée de Ripsalis, il était énorme. Incroyable. Les petits Oxalis Vulca. C'est très mignon, ça. Ça fait des petites fleurs jaunes très mignonnes. Et on arrive à l'extérieur. Alors, les Coleus, mais regardez-moi ça, comme c'est beau. C'est tellement mignon. Ces couleurs incroyables, non mais je suis fan. Passion Sedum, commencez à me connaître. Il y aurait que moi, j'aurais pris un pot de chaque. Vivam aussi, je trouve ça tellement joli. Et les vivaces. Alors, il y a eu une offre que j'avais déjà vue, hein, de pots achetés, le troisième offert. Donc, c'était 4,50€ le pot. Du coup, ça faisait 9€ les trois, à savoir 3€ le pot de vivaces. Mais pas mal de personnes étaient déjà passées avant moi. Du coup, il a fallu que je fasse mon choix. Je suis désolée si c'est pas bien cadré, encore une fois. Je fais de mon mieux. Je vous montrerai, quoi qu'il arrive, les petites vivaces que j'ai choisi de me prendre. Et du coup, je vous laisse là-dessus avec un petit peu de musique en attendant que je vous montre mes achats. Ah oui, je ne pouvais pas ne pas vous dire un mot sur cette feuille de hosta hallucinante, mais vraiment énorme. C'est le hosta purple haze, apparemment.
Alors, en premier, j'ai pris l'Osta classique que j'ai mis avec mes autres copines. Voilà. Je ne peux pas passer sans vous filmer mon arôme incroyable. J'ai une douzaine de fleurs dessus. Trop belle. J'ai mis mes érables du Japon aussi dehors. Comme ça, ils sont arrosés par la pluie. J'ai repris une tricertis, mais mouchetée. On voit la différence. Ça, c'est celle que j'ai prise. Et ça, c'est la première que j'avais prise aussi, avec un peu variegata sur les bords. Voilà. Mon lilas, ça y est, là, la floraison quasiment finie, il est tout rouillé. J'ai pris une chaire Strawberry. Je pense de plus en plus que je vais me faire un petit parterre de chaire. J'adore cette plante. Et regardez-moi ça. Il est pas magnifique. Donc évidemment, je ne l'ai pas encore rempoté. Je vais le mettre dans un pot. Mais je le trouve trop beau. Trop trop beau. Et c'est sur ça que cette vidéo se termine. Si vous êtes allé jusqu'au bout, vous pouvez mettre Coléus en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un j'aime si tout ça c'est pas déjà fait. Et puis bye.